Hello guys, c'est Kenny et Beats encore. Et je dis à nous la deux vidéos, ça fait deuxième vidéo. Donc dans la vidéo ça nous va parler de latence. En fait, il y a un paquet et abonnés qui a dit nous que yo a confronté avec problème latence. Les on voix, ok. Les a fait en prise, que ce soit guitare, que ce soit voix, que ce soit basse. En fait, yo toujours gain en retard. En fait. Retard ça, les causé par sa relais, latence là. Donc, nous allons voir qui j'en suis capable de résoudre le problème ça. Donc, nous allons aller directement dans FL Studio. Pas oublier abonner, pas oublier partager tout ça avec amis nous. Ok? Donc, si vous observez avec un 4 sons, donc, mais qui j'en pour résoudre le problème ça? Parce que latence là, par définition, j'aime dire, c'est français a dit nous, la latence est le délai entre l'introduction de données ou de commandes dans un système et le résultat souhaité. En fait, ça veut dire en créole. C'est temps qui passe à, ou bien qui prend pour sortir un signal là, que ce soit chanter ou chanter à, pour commande le passer dans le système là et pour qu'il y ait un résultat ou souhaité à. Ça veut dire si vous chantez ou t'as remarqué que bah, elle a tombé à temps. Et malheureusement, si vous pas géré et paramètre ça que nous parlons de l'IA, on a toujours un problème latence là. Parce que les causé par ça tout, les observé avec 4 sons. Mais si vous pas observé à 4 sons, même problème n'a qu'à toujours causé par rapport avec driver, son on peut utiliser. Donc là, on a 4 sons, là, on a l'option dans FL Studio, audio. Par défaut, l'IA sous FL Studio Azure. Mais nous conseillons servir avec Azure for All V2. Donc, l'on servir avec Azure for All, c'est un driver qui travaille bien. Okay? Que ce soit avec micro USB, on travaille bien avec lui. Donc, pour nous gérer buffer size là, parce que buffer size là, c'est lui-même qui est capable de nous gérer latence là. Vous cliquez sur Show Azure Panel. Lorsque vous sur Azure Panel, ou après on va écrire les Azure Buffer Size. Donc, et Buffer Size là, il commence à partir de 36, 60. Donc, qui ça seulement voulait attirer l'attention, nous souligne, c'est que les Buffer Size là, PPT, pi bas, donc, ou gain moins latence possible. Ou gain moins latence, ça veut dire, et signal cap entrée à rentrer avec beaucoup plus à temps réel. Que si il était dans niveau ça 2048 1024 ok donc gain 3 buffer size yo ka dit buffer size block size donc tous les deux c'est même mal là donc c'est lui pour régler pour capable gérer problème latence là donc là nous ouais on va prendre 512 la marcher il pas bon problème mais si m'augmenter buffer size là m'a gain pile latence. Donc, leur buffer size augmenté, c'est pour mixage. Leur pour le mixer de manière à ce que pour CPU machine là, capable de travailler mieux. Mais laissez pour prendre voix, prendre guitare, prendre bas naturel, pour qu'à retirer retard ça, leur toucher piano ou bien leur chanter pour le répondre à temps. Donc, c'est latence, c'est buffer size là pour régler plus bas. Nous allons faire le connect avec 400. M'a servi avec un Presonus. Donc, driver maintenant, c'est Studio Azure Driver. Cliquez sur lui. Et puis, quand on va aller dans le même barre là, Show Azure Panel. Même sur Show Azure Panel, il y a une fenêtre ça. Donc là, mais ça aurait les block size là. Donc avec lui-même, je vais cliquer sur lui, je suis capable de choisir qui block size pour utiliser. Attends, il va comparaître. Pour qu'on aille sur 512. Donc, si j'ai besoin de moins latence, dans le technique, donc je vais choisir. Yon sac pipiti yo la. D'habitude, moi-même, les m'apprends voix, je toujours prendre sous 128 qui pi ba dans block size. Donc, depuis que vous faites ça, vous n'avez pas de problème latence là encore. Donc, songez que les wap prend voix, les wap prend en guitare, les wap prend basse. Donc, fok buffer size wa, ou bien block size là, pipiti que possible. Donc, travail 64, travail 128, 256, c'est. Point de départ qui pi bon dans prise de voix ou bien prise de guitare, prise de basse. Parce que c'est tout ça qui est capable d'aider nous résoudre problème noir. Donc, toutes cartes sont qui montent sur un DAO,
normalement, on va toujours jouer dans le device. Donc, peu importe 400, même si on peut utiliser même 400, même. Donc, quel que soit 400 on peut utiliser, de vous télécharger driver 400, il est supposé monter là dans ensemble de drivers que qu'on utilise. Donc, il suffit que vous choisissiez, maintenant c'est Studio Azure Driver, et puis vous descendez dans Show Azure Panel, et puis là, bon, fenêtre quand même, 400 là, allez dans Block Sizer, régler, mettez les plus bas pour capable enjoy. Donc, c'était Kenny et Beats, merci, à une autre vidéo, très bientôt.